internet et je consomme pas du tout de merde, ni l'enfant gay. Rien à voir. Papa, maman, si je m'exprime pas assez dans ma vie, c'est pour mieux m'exprimer dans un texte. Les califs sont tellement turbo, on se croirait dans un test. Ils vont tous passer pour un minable. Au final, ceux qui ramènent finissent à la caisse. Ils vont me faire croire que pour rapper, il faut savoir accélérer. T'as pas assez de streams sur ton axe généré, alors ils te prendront pas. Bon, juste pour un contrat, j'ai vu des mecs buzzer dans la rue grâce à un contre un. Ça parle de leur cité comme un putain de piège infernal. Aucune évolution, à chaque phase une prière à 8 Mile. Trop d'ego, comme s'ils avaient 0 faille. Faut de l'argent pour faire de l'art, mais y'a plus d'art quand y'a de la maille. Ils cherchent le respect de fond en comble. J'rappe sur leur compte de faire des punchs complètement insensés, des textes sans émotion. Pour ça que j'me cache sous des lunettes noires. Trash sont devenus les voix, à force de répéter qu'ils fument, ils se font se prendre soin à H, tu vois. Ça cherche des adversaires, devenir un exemple clair, c'est tous des exemplaires. Maintenant la pire des merdes peut devenir rappeur légendaire. On est des putes, vous avez réellement cru qu'on pouvait devenir important sans vendre son cul aux enchères. Gros t'es dépassé, fini les places à 4 lettres. Est-ce que si ma mère meurt, ça améliorera ma street cred, hein? Il laisse penser qu'une balayette vaut bien plus haut que des mots. Y'a tellement le concu, pourquoi j'irai plus haut que les autres, ouais. Des artistes bloqués dans leur sac pour un effet de mode. Si j'arrête le rap dès demain, j'aurai combien de potes, hein? La street, les femmes, les drogues et les armes. Comment t'appelles un métier qui dénigre tous les autres, Aven? Ouais, je sature, j'en ai marre. Puis j'ai envie de dire aux gens, des fois en face de moi, je vous aime pas. J'ai rien à dire sur vous, parce que pas que je vous aime pas, en fait, vous, mais vous ne m'inspirez rien, et puis vous n'inspirez rien à la moitié des Français, mais on fait semblant de vous recevoir, parce qu'il faut recevoir un invité ce soir, mais en gros, vous ne servez à rien à la musique ou au cinéma. Puis arrêtez de vous prendre au sérieux, en plus, depuis tout à l'heure, vous parlez, mais on a vu la moitié de vos films, c'est de la merde. 2 ans à faire le mytho devant des artistes qui n'en sont pas. Enfin, il y a eu des vrais artistes. Mais bon, il y a beaucoup d'escrocs en France. J'en suis un. Si pour critiquer les autres, faut d'abord faire son autocritique. Je m'inscris dans la lignée des grands escrocs de France.